Bonjour madame, c'est une nouvelle vidéo à laquelle je me trouve à Accor à Mirabel pour l'auto-show 2016, le 11 septembre. Il y a eu plusieurs activités durant l'auto-show, dont l'essai de véhicules, comme vous avez sûrement vu sur mes autres vidéos ou pas. Lors de cette vidéo, je vais conduire une Focus RS 2016 et vous allez voir que c'était ce fameux véhicule, la Ford Focus RS. On va partir l'auto avant ou tout de suite? T'as déjà les clés dedans. Je vais me placer. Ça fait le même son que toutes les Ford, hein? Là, je cherche ça. Donc là, je suis dans le fond. T'es rec long, faut que je me pousse carrément à gauche. Non, mais je vais demander. J'ai jamais conduit une Focus ou Ford plus okay. Que ça. Ça doit être. Tu commences par la bonne. Ouais! Parce que plus tard, je veux une STI. T'attends un frein. Pas moi. T'attends un frein. Je vais avoir une petite bague STI plus tard, mais là, il y a ça qui vient de sortir compétition. Puis il y a Ivo qui est parti. Je te dirais que j'ai eu une couple de propriétaires. J'ai eu une couple de propriétaires de STI. Puis à date, ils me disent tout que ça tient plus. On met des balles, ils ont des Michelin Sport Cup ou je sais pas trop quoi. C'est très très fort, hein. C'est juste tordu. Les freins sont tech. Ouais, vraiment vrai. Tech. C'est fait fort, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi tech que ça. C'est vraiment conçu pour la piste. C'est pour ça que les freins, on les entend crier un peu, parce que ça a vraiment un compound de course. Ok. Puis il y a sûrement un launch control là-dessus. Ah. On va pouvoir l'atteler là-bas. C'est la séquence de launch control quand même assez longue, tu sais, pour l'enregistrer. Puis on prend tout le temps de le faire. Mmh. Ah, il y a bien, bien de bon. Hein. Tout le monde est là pour la RS. Ouais. Et puis, la cloche, j'aime le feeling de la cloche, c'est quand même assez facile pour un char. Comparé à d'autres que je viens d'essayer. Ça qui est pas pire. C'est raide. Elle pogne basse, c'est neuf. C'est ça qu'il faut. Les lumières tournent déjà dessus. C'est un super beau char à l'intérieur, j'ai rien à dire. C'est tout ouvert. Toi, c'est le fun d'avoir des raids là-dedans? Ça dépend des clients. Tu préfères, il doit avoir du monde qui t'en rap, là, t'es pas. Là, t'es. Oui, t'es là pour l'atteler, mais t'es pas ton char non plus. T'es au moins l'hiver, 4x4. Tu l'as essayé, sûrement. Il y a mais Edmond qui demande de faire le conducteur. Cool. Ok, on. Je ne mène pas dans le fond. Ça marche quand même. Ah, tu l'entends le turbo, hein? Ben, je sais pas tu l'entends, mais tu le ressens à m'emmener ta kick. Turbo complété, hein? Je vais même pas oser d'aller dans le fond. Ça marche plus qu'à la Camaro, je trouve là. On va l'être avant un peu. C'est un mode auto de top. Pourtant, en plus, j'étais à la cloche, je pouvais pas éteindre. Ok, j'aurais pu rêver plus haut. Ouais, ok.
Hey, ta colle? Ta colle, t'es incroyable! Wow! T'es surprenant! T'es facile à conduire! Ah là, t'es tout amolé. Quand même. Ah, oh, il a changé de plat. On est parké en arrière de la Camaro, là. Ou entre les deux. Entre les deux. T'as fait un break, par contre. Ça fait deux fois. Toi, t'as un autre char. Ça doit être les arrières à la tombe, là. On va la laisser rouler. Parce que le turbo, il arrête pas. C'est bon. Ok, mais, hey, minute, j'ai remercié de ta ride. Ouais, ça m'a fait plaisir. C'était super le fun. On va poigner mon toc. Alors, là, voici la fameuse Ford Focus, comme vous l'avez vu. Pas n'importe quelle, l'air arrête, donc tout le monde parle. Je suis très content d'avoir eu la chance de l'essayer. C'est un véhicule sportif, hatchback, qui est vraiment plaisant à conduire. Tenue de route exceptionnelle, c'est incroyable, ta colle, les pneus là-dessus et le thème all-wheel drive, comment ils appellent ça, vectoring, il fait très effet, donc véhicule fun à conduire, ça reste que niveau fiabilité et durabilité, les mécaniques, ça reste toujours à voir, c'est un véhicule neuf, mais première impression, c'est juste sublime, c'est un véhicule à conduire tout simplement pour ceux qui aiment les bolides. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, je n'hésitez pas à laisser un j'aime et commentaire. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et bye bye!